En assis, les bras croisés, mains sur les épaules. Je vais commencer par l'extension. En venant placer ma cuisse sur la table, réaliser un dossier avec le talon de ma main qui vient au niveau de la colonne. Mon coude placé plutôt sur la face interne, sur mon reste interne, ou en tout cas calé sur la cuisse de manière à pouvoir réaliser un dossier qui est stable pour l'amener en extension autour de mon appui postérieur à la hauteur souhaitée, plutôt au niveau lombaire ou au niveau dorsal, en vous rapprochant ou en vous éloignant éventuellement pendant cette manœuvre d'extension. Donc petite manœuvre d'extension avec un système rigide. À noter que mon avant-bras est dans l'axe de la table et non en oblique, sinon je n'aurai pas la force pour maintenir éventuellement le dossier. Pour travailler maintenant la flexion, en deux temps, je vais commencer par demander d'arrondir le dos et de se laisser aller un tout petit peu en avant de compléter ma mobilisation pour arriver enfin de flexion. On pourrait le décrire autrement en lui demandant donc de s'effondrer sur place en arrondissant avant d'amener en flexion vers l'avant. Ma main postérieure incite à la flexion et une main palpatrice qui va pouvoir se déplacer et sentir éventuellement les zones où on a un déficit de flexion. Pour travailler la rotation, je reste dans la même prise de main. Je vais le faire pivoter en amenant une avancée d'une épaule et un recul de l'autre en faisant ce pivot de la ceinture scapulaire. Ma main postérieure qui vient accentuer le mouvement de nouveau au niveau de la zone autour de laquelle on veut éventuellement percevoir ce mouvement ou cette absence ou ce déficit de mobilité rotatoire progressivement vers les dorsales ou vers les lombaires comme ici. S'il veut travailler maintenant l'inclinaison, je vais demander de placer son bras gauche, puisque je suis à sa gauche, devant son bras droit afin de passer en dessous de son bras gauche et au-dessus de sa main gauche placée sur son épaule droite. Il faut y arriver, hein. La main postérieure placée de nouveau avec le talon de la main au niveau de la colonne. Je vais pouvoir donc travailler cette inclinaison avec mes deux mains, c'est-à-dire en favorisant la bascule de la ceinture scapulaire et en réalisant une petite traction de sa colonne, de son rachis vers moi pour travailler son inclinaison dorsale et de nouveau en centrant le mouvement à hauteur du placement de votre main postérieure qui est une main active très importante. En arrivant plus bas au niveau lombaire où je vais accompagner le geste pour l'amener dans une inclinaison un petit peu plus importante et bien sur le côté cette fois-ci. Pour travailler l'inclinaison contralatérale, je me place de l'autre côté. Tout comme pour les manœuvres de rotation.